Yo les petits potes, c'est Xefire. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept nationalité challenge. Donc on commence avec la Tunisie. Donc voilà, on doit prendre que des joueurs tunisiens du coup pour gagner la Ligue Europa et performer en Ligue 1. Donc voilà les petits potes, je vous retrouve quand j'ai fini mon mercato. Donc voilà, j'ai terminé mon mercato, je vais vous montrer l'équipe qui est bientôt finie. Il me reste encore quelques remplaçants. Donc on a Wabi, Kazri, attends, on est passé quand même en 4-2-3. Donc on a Kazri quand même qui est venu. Donc voilà, je vais vous montrer un par un. En AG, on a Naïm Sliti. Donc voilà, encore très bon joueur. Et on a Strafi en MOC, Kassab. On a un très très bon milieu avec Skiri Wesliti. Très très beau milieu. On a Dylan Blonde, Adadi, Meria Dragger, donc voilà, et Mouez Hansen. Donc voilà, désolé pour la prononciation. On a Hawi aussi qui est là en remplaçant, et après il manque quelques remplaçants à faire venir. On a beaucoup encore de joueurs à vendre, mais en tout cas ça va. Je m'attendais à pire au niveau de l'équipe, on est quand même assez bien. Donc normalement on devra avoir des accords pour l'achat de, voilà, accepter, déléguer. Donc voilà, il y aura ces deux joueurs qui vont venir. Donc les petits attends, j'ai oublié quelque chose, je suis en Ligue Europa parce que je me suis mis automatiquement, parce que notre but c'est quand même de performer en Ligue Europa et en Ligue 1. Donc j'ai pris le groupe, je crois il y avait Dijon à la place, je crois pourquoi il y avait Dijon, mais bon. Ouais, attends, on va accepter les deux, donc voilà. Attendez, Dijon. Attends, je vais vous montrer ma phase de groupe de Ligue Europa quand même. Ligue Europa, UEFA Ligue Europa. Voilà, on a pris le groupe, il y avait Dijon à la plage parfois. On a pris le groupe ACV, US Craiova, Lugano. Donc voilà, les petits potes, on se retrouve à la mi-saison pour le débrief. Attention, match au Paris Saint-Germain, c'est le seul que je voulais jouer avec vous quand même. 2-0. Donc voilà, on se retrouve pour la mi-saison. Et ouais, voilà, on est 8e de Ligue 1, ce qui est une très belle performance pour Toulouse. Donc voilà, je pense qu'on pourra peut-être aller accrocher la Ligue 1, pourquoi pas en Coupe nationale. Ça n'a pas encore commencé Coupe de la Ligue. On s'est fait sortir par Lyon, je crois, ou 3. Super Coupe de l'UEFA, c'est Liverpool qui a gagné Chelsea en Champions League. Bah voilà les affiches, vous pouvez mettre pause si ça vous intéresse. Voilà, nous en phase de poule, on s'est fait sortir parce que tout simplement on a perdu. On a fait une défaite qu'on n'aurait pas dû perdre. Voilà, 1-0 contre le Craiova. Normalement on devait gagner surtout à domicile, mais on n'a pas réussi. Donc voilà, on s'est fait sortir. C'est pour ça que le CA est pas très très content. Donc on va aller voir les meilleurs buteurs. On est une très belle équipe quand même. Au niveau des meilleurs buteurs, on a les 12 buts de Wesliti, les 10 buts de Wabi Kazri, les 9 buts de Sliti, les 6 buts de Kassab, les 2 buts de Strafi, 2 buts de Dragger. On a les 6 passes des de Kazri, 6 passes des de Wesliti, 2 passes des de Shikiri et 2 passes des de Moreira, qui est normalement pas tunisien, mais sans faire exprès, il a dû jouer parce que notre latéral droit a dû être blessé. On va quand même aller voir les protections, les progressions, j'avais oublié. Notre meilleur général c'est Wesliti. Je vais attendre un plus de pour Blush, ça on s'en fiche. Plus de Wesliti. Plus de Kassab. Ouais, on a plus un de Brown quand même. On a quand même des petits plus. Chez les joueurs qui nous intéressent. Et voilà, je crois que c'était tout ce que je devais vous montrer. Donc voilà, les petits potes. On se retrouve pour la fin de la saison. Donc voilà, on va simuler les 4 derniers matchs ensemble. Match anime, ça devrait être assez... Voilà, on peut gagner. Allez, 2-1. Ils ont marqué 90e minute, quoi. Donc on est quand même 9e, c'est quand même une très belle place. Donc voilà. Et vu ce qu'il nous reste comme calendrier, je pense pas qu'on va rester 9e. Hein. On fera bien une 10e place. Même une 11e. Déjà le PSG, voilà, pour commencer. Je les ai pas joués. Je savais, je crois qu'on n'a pas joué Monaco aussi. Lyon, on les a joués. Donc je crois qu'il ne reste que beaucoup de gros à jouer quand même. 2-0,
ça va, c'est pas grave. Je suis limite content de perdre 2-0 quoi. Je sais pas, il peut pas y avoir un match où il y a moyen de gagner ou... Ouais, ça fait 20 ans que je suis sur la scène. Ils me disent, ah, nous allons faire une réunion sur vos performances pendant 20 ans. Alors que j'en ai eu 20, des messages comme ça, je suis pas encore viré. Donc je sais pas si c'est un bug ou pas, mais enfin, Monaco à l'extérieur en plus, vas-y, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire, franchement? Allez, 1-1, oh lolo, Sleti m'a sauvé. 88ème miskin, Monaco. Ça, on va juste terminer la saison. Normalement, on va pas se faire virer. Wouah. Hansen sur le départ, je m'en fous. C'est, je fais qu'une saison. Je ferai pas qu'une saison, j'arrive. Attendez. Dernier match. Voilà, de toute façon, c'est le dernier match qu'on doit jouer. 1-0. Ah, j'espère que je peux voir les meilleurs buteurs et ne verra pas tout de suite. Ouais. Je vais vous montrer ce qu'on a fait partout. On a les 19 buts de Wesley, 14 buts de Kazri, 11 buts de Sleti, 10 buts de Kassab, les 9 passes de Kazri, 8 de Wesley, 4 de Sleti. On a eu beaucoup de plus. Après, je sais pas si c'est nos joueurs, mais bon. Plus 4 passes de Kassab. On a Wesley plus 3,86 de général. Donc, le joueur qui vaut le plus cher, je pense que du coup, voilà. On a les 75 millions quand même, Wesley, je pourrais le prendre, me faire une belle enveloppe, Kassab quand même 23 millions. Shkiri 15 millions tout de même, 10 millions pour Hansen. On va aller voir ce qu'on a fait en coupe, parce que bon, on l'a pas gagné parce que sinon il y aurait les matchs après les matchs de Ligue 1. En coupe nationale, on s'était fait sortir par Lyon, ça je vous l'avais dit, en coupe de la Ligue. Ah non, je confonds, c'est celle-là qu'on s'est fait sortir par Lyon et celle-là on se fait sortir par Bordeaux, il me semble. Voilà, on se fait sortir au tir au but par Bordeaux. Super Coupe de l'UEFA, victoire de Liverpool en Champions League, ça sera un Barcelone City. En Ligue Europa, ça sera un Manchester United contre la Lazio de Rome. Donc voilà, les petits potes, j'espère que ce concept vous a plu. On se retrouve pour un prochain vidéo.